Partager l'écran. On va faire une petite prière de début pour remercier Dieu notre Père pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre cette question à l'étude en ce moment qu'est la réincarnation. Que cela puisse nous aider à comprendre comment et pourquoi nous sommes là. Et par cette compréhension, mieux agir en faveur de notre propre évolution vers le bonheur, par notre apprentissage, par notre réforme morale. Et nous espérons aussi que ces lectures et ces études puissent être utiles également pour les esprits qui pourraient suivre cette étude avec nous aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous ai mis le programme à l'écran. J'espère que vous le voyez. Attendez, je vais juste faut que j'agrandisse un peu mes fenêtres et que j'ouvre, voilà, la discussion. Voilà. Et donc, depuis le 16 avril, donc il y a 15 jours, on a commencé le module 5 qui parle de la réincarnation. Donc, on avait vu les fondements et la finalité de la réincarnation. Hein. On avait vu les preuves de la réincarnation. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le retour à la vie corporelle, la programmation de la réincarnation. C'est-à-dire comment est-ce que, qui, quoi, où, quand et comment se décide le fait de se réincarner. Et puis le programme de la vie à laquelle on retourne. Et donc la semaine prochaine, donc le 7 mai, on verra donc la quatrième partie de la réincarnation, c'est cette question de l'oubli du passé. Pourquoi on passe par l'enfance et pourquoi est-ce qu'on oublie le passé? Alors, nous y voilà, hein, donc. Retour à la vie corporelle, programmation de la réincarnation. Donc, l'objectif spécifique de ce cours, c'est d'expliquer comment se réalise cette programmation de la réincarnation, hein. Dire en quoi consiste le choix des épreuves faites par l'esprit avant de se réincarner. Et on va expliquer un peu aussi le processus de l'union de l'âme au corps, hein. On va voir qu'est-ce que Kardec et les esprits et la littérature complémentaire nous disent à ce sujet. Voilà. Et donc, pour entrer dans le sujet, hein, selon la philosophie spirit, la programmation de la réincarnation peut être élaborée par l'esprit qui désire se réincarner ou par des esprits plus éclairés, spécialement chargés de ce genre de tâches. Donc, vous voyez, il y a deux cas qui se présentent. Soit c'est l'esprit, donc nous-mêmes, qui choisissons, soit il y a des guides spirituels qui choisissent à notre place. Dans le premier cas, c'est-à-dire quand nous choisissons, hein, l'esprit choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Ça veut dire que dans ce choix du genre d'épreuve qu'on veut subir, hein, qu'on choisit, on choisit en quelque sorte un plan de vie. Hein. Si, par exemple, on choisit d'avoir toujours des difficultés matérielles ou financières, eh ben, les circonstances feront qu'on aura toujours des difficultés matérielles ou financières. Si on choisit de se réincarner avec un handicap, par exemple, hein, eh ben, les circonstances feront qu'on subira ce handicap. Si on choisit de se réincarner en homme ou en femme, eh ben, on se réincarnera en homme ou en femme. Donc, tout ça, ce sont des choix, dans le premier cas, que nous-mêmes on fait. D'accord? C'est l'esprit lui-même qui choisit les grandes lignes de la vie qu'il va avoir, dans laquelle qui démarre, quoi, avant sa réincarnation. Et dans l'autre cas, c'est Dieu qui supplée à son inexpérience en lui traçant la route qu'il doit suivre
comme tu le fais pour un enfant dès le berceau, mais il le laisse peu à peu maître de choisir à mesure que son libre arbitre se développe. Donc là, on voit que l'autre cas, on parle d'inexpérience. Donc quand l'esprit n'a pas encore l'expérience, on n'est pas encore capable de faire les choix lui-même. Hein, ce sont les guides spirituels qui choisissent ce qu'il y a de meilleur pour cet esprit. D'accord? Et les esprits font ici le parallèle avec un enfant. Hein. L'enfant, c'est pareil, il n'a pas toujours les conditions de faire un choix. Hein. Et donc, ce sont les parents qui choisissent à sa place. D'accord? Donc, ça, c'est ce que les esprits répondent à Kardec à la question 262. Voilà. Donc, le libre arbitre, à partir du moment où il est développé, hein, donc, vous voyez la deuxième question, hein, l'esprit qui n'a pas encore l'expérience, au fur et à mesure, il acquiert l'expérience. Donc, avec l'expérience, on acquiert aussi le libre arbitre. Hein, on avait dit que le libre arbitre se développe au fur et à mesure de l'évolution. Seuls les esprits vraiment évolués sont vraiment libres. Notre liberté à notre stade d'évolution est encore un peu relative, hein, à notre évolution. Et donc, voilà, les esprits choisissent à la place de celui qui n'a pas l'expérience, ou qui n'est pas dans les conditions de choisir. Mais au fur et à mesure qu'il acquiert ces conditions, eh ben, il le laisse faire. D'accord? Et là, évidemment, dans l'inexpérience, on parlait tout à l'heure, l'exemple, je disais, si je choisis de me réincarner pauvre, ben, j'aurai des difficultés financières toute ma vie. Beaucoup d'esprits choisissent de réincarner riche. Hein? Mais c'est peut-être lié aussi à l'inexpérience, parce qu'ils savent pas, ils ne se sont pas encore rendus compte que l'épreuve, entre guillemets, de la richesse est beaucoup plus glissante. Hein? Et alors, attendez, je crois qu'il me manque quelque chose. Oui, voilà. Est beaucoup plus glissante et beaucoup plus difficile pour l'évolution que l'épreuve de la pauvreté. D'accord? Et donc, c'est un exemple. Mais bon, quand l'esprit dit non, 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 moi je veux me réincarner riche, eh ben, il aura sa liberté et puis il se réincarnera dans un château riche, etc. Mais malgré le fait que les guides lui expliqueront, attention, t'es sûr de ce que tu fais, est-ce que tu ne crois pas que la richesse va te faire perdre la tête, entre guillemets, quoi, hein? Mais si vraiment l'esprit veut, eh ben, les guides spirituels le laisseront se réincarner suivant son libre arbitre, suivant sa décision. Et c'est comme ça, en fait, que ben, on apprend, quoi, hein? C'est comme avec les enfants, hein? À un moment, faut qu'on leur donne, on leur enseigne plein de choses, hein? On leur dit toujours. Ne touche pas la plaque du four parce que tu peux te brûler les doigts, mais tant qu'il n'aura pas mis la main dessus et ce sera pas brûlé les doigts, il comprendra pas. Hein. Donc, c'est l'être humain, c'est un peu pareil. On est de grands enfants, on choisit ce qu'on pense être bon, même si c'est pas forcément bon. Et puis, c'est comme ça au fur et à mesure qu'on acquiert l'expérience et la maturité. D'accord? Donc voilà le principe général. Alors, la deuxième question que pose Kardec, hein, 264, vous voyez, c'est dans les mêmes séries, 262, 264. Qu'est-ce qui dirige l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut subir? Parce que on peut par exemple se poser la question. Comment ça se fait qu'un esprit choisit une vie avec un handicap grave ou des vies avec des épreuves vraiment très très fortes? Comment ça se fait que, suivant son libre arbitre, il va choisir des choses que, en étant ici, en faisant un raisonnement de terre à terre, pour ainsi dire, on dirait, mais c'est pas possible que quelqu'un ait choisi d'avoir une existence comme ça. D'accord? Alors, on va voir ce que les esprits nous répondent. Il choisit celles qui peuvent être pour lui une expiation par la nature de ses fautes et le faire avancer plus vite. Alors là, il y a plusieurs choses. Donc, il y a de nouveau le mot expiation. C'est un mot qui donne des frissons quand on l'entend, hein.
L'expiation, c'est, comment dire, des difficultés qu'on subit pour nous faire, en nous faisant sentir dans notre peau ce qu'on a pu causer à d'autres et dont la durée dépend du temps nécessaire à ce que notre disposition mentale change durablement pour ne plus réincider dans la même erreur. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là? Hein? L'expiation, c'est, Oui. on peut dire, c'est, il n'y a pas le mot punition, parce que, heureusement, parce que le mot punition, les dieux punissent, ce genre d'expression qu'on voit parfois dans Kardec, malheureusement, si on les prend à la lettre, elles sont fausses. Dieu ne punit pas. Hein? C'est les lois de la nature qui font que... Quand on fait quelque chose qui est contraire à ces lois de la nature, ben on a des conséquences. Hein. On se tape avec un marteau sur le doigt, on saute par la fenêtre. Typiquement, ben les lois de la nature font que ça fait mal ou qu'on tombe. Hein. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre quand vous voyez l'expression punition de Dieu. Et quand vous voyez l'expiation, ben c'est un peu dans le même genre. Hein. C'est-à-dire que quand on cause du tort à quelqu'un, hein, on choisit nous-mêmes, avant de se réincarner, de sentir ce qu'on a fait souffrir à d'autres dans notre peau pour nous faire changer et dire plus jamais je ferai ça. D'accord? Et à partir du moment qu'on a vraiment compris et changé notre disposition mentale pour ne plus réincider dans la même erreur, en causant les mêmes torts à d'autres, hein, l'expiation en fait s'arrête. Voilà. Donc, vous voyez, une expiation par la nature de ses fautes, donc les fautes qu'on a chacun commises, ben, soit par notre inexpérience dans notre apprentissage, soit par le mauvais usage de notre libre arbitre. Hein. Donc, l'expiation, on peut le voir comme étant une conséquence, hein, un passage obligé suite au fait qu'on a fait une faute. Hein. Et le moyen mnémotechnique qu'on utilise pour retenir ça, c'est quand on fait une faute, il faut prendre le RER. Hein, le RER de Paris, Réseau Express Régional, en fait, c'est le repentir. Ça veut dire on se rend compte qu'on a fait quelque chose de faux. Le E, c'est expiation, justement. C'est-à-dire on le sent dans notre peau pour plus jamais réincider dans la même erreur. Et le deuxième R, c'est réparation, c'est-à-dire on répare les torts qui ont été causés. À chaque fois qu'on fait une erreur, ben, on est obligé de se repentir, d'expier et puis ensuite de réparer les torts qu'on a causés. Hein, c'est la manière, quelque part, de passer la gomme, hein, ou de recouvrir l'erreur par du positif qui compense l'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux manières de voir les choses. Hein. Et le faire avancer plus vite. Donc, c'est sûr qu'en passant par ces processus, c'est en passant par ces processus qu'on progresse, qu'on évolue vers le bonheur. Alors, Antoine. Oui, donc si je comprends bien, toutes les souffrances que j'ai vécues et que je vis, je les ai vécues et je les vis parce que moi-même, j'ai fait pareil vis-à-vis de mon entourage dans une vie antérieure, c'est ça? Alors, pas non plus complètement systématiquement. Hein. Quand on dit pareil, on peut effectivement dire similaire, mais bon, Jésus a dit qui tue par l'épée périra par l'épée. Hein. Donc, mais on peut pas non plus le prendre comme ça complètement à la lettre. Hein. C'est-à-dire que l'expiation peut avoir des formes un peu différentes, mais qui auront cette même fonction de compenser les erreurs qu'on a pu faire, même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais en principe général, c'est ça, c'est ce que tu dis. D'accord. Parce qu'alors, j'ai dû être vachement mauvais dans mon autre vie, alors. Hein? Ah ben moi aussi. Hein. Oui. Moi aussi. Je pense que la plupart d'entre nous, hein, on traîne tous des boulets. Oui. Maintenant, voilà, le fait d'avoir passé par l'expiation, puis. Voilà, si ça s'est bien passé, on peut dire, ben, on a passé la gomme, on a compris, voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Ben vivement la suivante, hein.
Ouais. Alors, suivant, tu auras d'autres trucs en cours. Hein. Je ne fais pas trop d'illusions pour ce qui me concerne, mais bon, on y arrivera. Hein. C'est une chose après l'autre. Ça aussi, ça fait partie des choix quand on se réincarne. Et si on met la barre trop haut, en essayant de faire trop de choses en une fois, ben, on risque de se louper et puis d'augmenter encore. Par exemple, quand l'épreuve est trop forte, qu'on ne la supporte pas et qu'on cède au suicide, ben, ça rajoute encore d'autres trucs à réparer, tu vois. Non seulement on n'a pas réparé ce qu'on a voulu réparer, mais en plus, on a d'autres trucs à réparer. Donc, les guides souvent nous disent, attention, mets pas la barre trop haut, vas-y pas à pas, sachant que Oui. les programmes, ça on le verra un peu plus loin, les programmes, la programmation qu'on a faite pendant la réincarnation, si on avance plus vite que prévu, ben, ça se renégocie pendant notre vie. Hein. Pendant le sommeil, on voit les guides et on dit, bon, ben voilà, j'ai fini ça, donc je vais commencer la suite. Hein. Voilà. Alors, il y a trois OK, autres chemins merci qui sont. Charles. Oui? Daniel? Moi, je suis très contente de cette expression RER que je ne connaissais pas. De Ah ce moyen technique. En plus, c'est un transport que je prends tous les jours, donc je m'en souviendrai. Et je me dis qu'aussi, RER, parce que ça nous emmène de l'origine, où on est simple et ignorant, vers cet immense chemin pour aller après vers les bons esprits, les esprits purs. Il y a aussi dans ce RER un moyen de transport pour aller vers la suite, en fait. exactement, c'est le RER qui nous permet d'évoluer. Donc, RER, donc repentir, expiation, réparation. En fait, le RER, c'est nous qui l'avons inventé, mais ce repentir, expiation et réparation, Kardec l'explique dans un texte qui a été publié dans les œuvres posthumes. Voilà. C'est une très belle invention parce que tout ce qui permet de se souvenir facilement, et Oui. puis tous les jours, quand je prendrai le RER, j'y repenserai, ce qui va sûrement Ben m'aider voilà. moi-même sur mon chemin, parce que c'est des mots, comme tu le dis, des mots un peu gros, qui peuvent... Oui, surtout le mot expiation, hein. Mais bon, c'est la loi de cause à effet, hein. C'est ça. L'expiation, quand on saute par la fenêtre, c'est quand on tombe. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, un autre mnémotechnique comme ça, c'est sur qu'est-ce que c'est que la charité, hein? On dit aussi la charité, c'est le BIP. BIP, c'est bienveillance, hein, envers tous, indulgence envers les imperfections d'autrui et pardon des offenses. D'accord. Voilà, c'est deux moyens Pour une. mnémotechniques. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, aussi, le RER, ça me dit quelque chose. C'est dans le cours à Tannes, il y a un des participants qui avait suggéré cette idée, hein, que j'avais trouvée assez géniale. Et le BIP, ça m'est venu du Brésil. Hein. Parce que D'accord. les mêmes lettres font, c'est les mêmes initiales en portugais, donc qu'on a francisé, quoi. Non, mais on voit bien l'ouverture du cœur avec un bip. C'est non, ça me parle bien aussi. Voilà. Merci. Mais de rien. Michel? Oui, est-ce que en fait cette forme d'expiation, est-ce que c'est pas un peu le sermon de Jésus sur la montagne, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que du coup c'est pas une forme, eh bien, de justice que l'on rend nous-mêmes, en fait, en se pliant à cette expiation. Ben, effectivement, le sermon de la montagne, on est en plein dans ce sujet-là, hein. Bienheureux ceux qui ont soif de justice, ce sont des gens qui souffrent des injustices. Et pourquoi est-ce qu'ils souffrent des injustices? Parce qu'ils en ont probablement commises dans leur vie antérieure. Donc, le fait qu'ils, dans cette vie, ils souffrent des injustices, c'est quelque part déjà une expiation pour eux. Et donc, quand Jésus leur dit qu'il faut qu'ils soient bienheureux, c'est-à-dire que il souffre des injustices, donc en le prenant comme tel, hein, comme quelque chose qui doit les aider à progresser, et puis pas comme quelque chose contre lequel ils doivent se révolter, agir avec violence, etc. Eh ben, ça fait partie de ces bienheureux là du serment de la montagne qui permettent aux personnes qui souffrent, hein, ben de retrouver des compensations. Hein, dans le futur, hein, c'est-à-dire que voilà, ils ont commis des injustices et ils les ont expiées et puis peut-être même réparées.
Voilà. Et donc, bienheureux, ça veut dire qu'ils avancent vers l'évolution, vers la félicité. Alors, tu as cité celui-là, mais quand tu prends les autres bienheureux, c'est pareil. Bienheureux ceux qui ont soif de justice, bienheureux ceux qui souffrent, bienheureux, etc. Il y en a, hein, il y en a. Donc Jésus était effectivement tout à fait en phase avec ces idées-là. Voilà. Alors, la main suivante, c'est celle de Vincent. Ouais, j'aimerais que tu nous donnes des exemples parce que c'est très théorique et c'est souvent beaucoup plus riche de nous donner des exemples de gens qui ont raconté leur expérience de réincarnation pour comprendre mieux le système. Ben on peut, effectivement. Alors, le meilleur exemple que je vois, enfin, un bon exemple que je vois, ce sont les, j'en ai déjà parlé, hein, les romans d'Emmanuel. Hein. Donc, le premier roman, il a pour titre Il y a 2000 ans. Donc, c'est quand Emmanuel, dans sa vie passée, à l'époque de Jésus, était un sénateur romain qui s'appelait Publius Lentulus. Hein. Qui, bon, voilà, avec l'orgueil du sénateur, il a eu plein comment dire, il a eu quelques difficultés dans sa vie, hein, notamment un fils qui a été disparu. Et donc, il a compris pourquoi son fils était disparu, par après seulement. Hein, et une fille qui était très malade. Et donc, il soupçonnait sa femme de le tromper, ce qui était complètement faux. Enfin, voilà, il était complètement parti dans des espèces je ne vais pas dire de délire, mais d'aveuglement au niveau de son orgueil. Et donc, entre autres, il a rencontré Jésus, il est allé voir Jésus parce qu'il y allait pour essayer de demander de l'aide pour sa fille. Et ce passage, il est vraiment très, très intéressant dans ce livre, hein, si vous l'avez lu. C'est qu'il se demande, mais punaise, oh là, il va parler araméen, comment est-ce que je vais me comprendre avec lui, etc. Puis d'un coup, il lève la tête, Jésus était devant lui. Ben, Jésus, il avait tout compris. Il a dit, ben, tiens, ben, sénateur, c'est bien que tu sois là, mais c'est dommage que tu ne sois pas venu avec tes habits de sénateur. Enfin bref, il lui a tout dit. Hein. Ah oui, tu viens parce que ta fille est malade. Mais tu sais, ta fille, elle va aller mieux, mais ce n'est pas grâce à toi. C'est parce que c'est ta femme qui est très pieuse et qui prie, etc., etc., etc. Et en fait, il était complètement passé à côté. Hein. Ça avait froissé son orgueil et il est resté indifférent, voire même connivant avec la traque des premiers chrétiens hein, à l'époque hein, par les Romains, Ponce Pilate, etc. Dans cette région-là. Hein, et donc voilà, quand il s'est retrouvé dans l'au-delà, bon, comment est-ce que je vais faire pour travailler mon orgueil hein? Eh ben, sa vie suivante, il la raconte dans un deuxième roman qui s'appelle 50 ans plus tard. Et c'est là où il s'est réincarné, hein, de sénateur romain, il s'est réincarné en esclave. Donc, c'est le moyen qu'il a trouvé, hein, pour travailler son orgueil, hein, qui s'était développé, enfin, du moins qu'il n'avait pas réussi à dompter en tant que sénateur, il s'est réincarné en esclave. Hein. Donc, ça l'a énormément aidé, à travailler son orgueil. Mais ce n'était pas tout. Parce que dans les deux vies suivantes, qui raconte avec Christ, hein, donc le troisième roman de la série, eh ben, deux fois il s'est réincarné en tant que premier chrétien, et deux fois il s'est fait bouffer par les lions ou brûler dans des arènes, dans des cirques romains. Hein. Donc ce qu'il avait laissé faire par connivence, il l'a senti lui-même dans sa peau. D'accord? Donc c'est là où on voit. Ben, c'est les choix qu'il a fait lui-même hein, pour compenser, pour expier et puis pour réparer ben, cette vie orgueilleuse en tant que sénateur où il avait, au lieu de travailler, d'aider à la mission de Jésus il y a 2000 ans, qu'il avait travaillé plutôt dans le sens inverse. Voilà. Et il y a un quatrième roman de la série qui s'appelle Renoncement. Alors, c'est un peu plus tard, hein, c'est. Déjà au Moyen Âge, à Avila, hein, pas loin de l'époque de Thérèse d'Avila, où là, ben, il était déjà, comment dire, un sacerdote, mais pas des mauvais de l'Inquisition et tout, c'était déjà un sacerdote qui faisait du bien. Et encore plus tard, il s'est réincarné dans Manuel da Nóbrega, donc c'est
un des jésuites qui avait au Brésil fondé la ville de São Paulo, par exemple. Et donc, au XXe siècle, ben, son esprit a atteint le degré d'évolution pour être guide spirituel d'un autre esprit qui était quand même relativement élevé, comme Chico Xavier. Donc là, vous voyez comment il a fait ses choix dans ses premières vies, hein, il le raconte lui-même. Et donc, à quel point ça lui a permis d'évoluer bah, dans les deux millénaires qui sont passés entre l'époque de Jésus et aujourd'hui. Hein, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, un peu plus court, hein, peut-être un peu moins spectaculaire, c'est celui qui est raconté dans le livre Exit, qu'on vient de publier là avec. C'est donc une médium brésilienne qui habite en Suisse, hein, Gorette Newton, qui l'a psychographiée. Et donc, c'est une jeune femme qui se suicide hein, pour une raison X ou Y, comment dire, en buvant un poison. Hein, et donc, qui s'est retrouvée ben, dans toutes les phases des suicidés, la difficulté de séparation du corps. Des régions très très sombres et difficiles dans l'au-delà, jusqu'à ce qu'elle soit, comment dire, secourue par le monde spirituel, un peu genre nos solars, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ça va jusqu'à la programmation, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, la programmation de sa réincarnation. Et donc, dans la programmation de sa réincarnation, elle est consciente que quand elle se réincarnera, elle aura des problèmes au niveau du système digestif hein, qu'elle avait abîmé dans la vie antérieure en ingérant du poison, et donc en gros qu'elle allait avoir un cancer et mourir relativement jeune hein, d'un cancer de l'œsophage ou de l'intestin. Voilà. Et donc ça, c'est là où on voit le côté expiation, hein, c'est-à-dire expiation qui fait que elle a endommagé son corps physique dans la vie antérieure, ça a endommagé son père-esprit. Son père-esprit, malgré les traitements du monde spirituel, ben, il garde encore les traces de cet empoisonnement qu'il est ensuite, qui va drainer dans un corps physique, dans une nouvelle existence qui sera un peu plus courte, mais qui permettra au père-esprit de résoudre ce problème et à l'esprit. De voir les difficultés que ça pose, et puis de la prochaine fois, plus jamais, enfin voilà, dissuader de répéter le suicide, même si, voilà, en toute rigueur, c'est possible de refaire la même erreur. En tout cas, le fait de l'avoir senti dans sa peau, d'avoir vu les conséquences, ça nous fait au moins réfléchir à deux fois avant de commettre un acte comme le suicide. Voyez? Donc, c'est encore un autre exemple. Et dans ce livre-là, il y a un autre détail, c'est par exemple. Ben, avant de se réincarner, elle voit l'esprit de sa mère, de sa future mère, hein, pendant son sommeil. Hein, ben, sa mère dormait, sa future mère dormait, et puis donc elle est venue se rencontrer avec l'esprit de celle qui allait se réincarner par elle, hein, qui allait tomber enceinte. Et sa mère, elle était tout à fait consciente du fait qu'elle allait perdre une fille à la sortie de l'adolescence, hein, ce qui est quand même une épreuve très difficile pour une mère. Et puis, elle était pleinement d'accord, tout à fait d'accord, en disant, oui, je sais, j'en suis consciente, je l'accepte, c'est bon pour moi aussi. Voilà, donc la programmation de la réincarnation s'est faite d'un commun accord entre les parties intéressées. Voilà. Donc, c'est un deuxième exemple. Alors, il y en a plein La mère, d'autres, hein, Vincent, on pourrait. ouais. La mère l'a-t-elle acceptée complètement ou elle l'a vécue comme un drame? Eh ben, alors, l'histoire ne dit pas comment elle l'a vécu quand la fille elle est vraiment morte. Tu vois, la fin, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a accepté par son libre arbitre cette épreuve pour sa vie à elle. Tu vois, pour sa réincarnation à elle. Alors, le seul je crois, le père n'a pas accepté parce que le père, c'était encore un esprit qui n'avait peut-être pas encore les conditions de vraiment faire ce genre de choix. C'est pour ça que c'était parti par la mère. Voilà. Alors ça, c'est l'exemple de ce livre. Mais ensuite, des exemples comme ça, vous pouvez en imaginer plein. Parce qu'en psychologie, on parle beaucoup d'inconscient et l'inconscient, ça fait qu'on n'accepte pas certaines choses, par exemple. Ou, Alors, l'inconscient, c'est parce que ce genre de, par exemple, la mère,
qui a accepté que la fille se réincarne, quand elle s'est réveillée, hein, elle a peut-être gardé, ou quand elle est tombée enceinte, elle ne savait pas que la fille elle allait mourir à 20 ans. Hein. Pourtant, elle a quand même donné son accord. Donc c'est typiquement partie des connaissances de l'esprit qu'on n'a pas dans notre conscient et qui reste justement dans cet inconscient ou dans ce subconscient. Hein. Parce que l'inconscient ou le subconscient, c'est souvent ben, la mémoire intégrale de l'esprit dont on n'a que des fragments quand on est à l'état de veille. Hein, parce qu'il y a le filtre du corps matériel. Et l'oubli du passé, on en parlera un peu plus dans la séance suivante, la semaine prochaine. Mais quand on revient à la personnalité intégrale, oui, l'esprit de la mère avait accepté de recevoir cette fille en sachant que cet esprit, en sachant qu'il allait repartir assez rapidement. Voilà. Parce qu'il arrive qu'on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Alors, même si on a accepté des choses dans un monde parallèle, hein, puisque c'est le monde des esprits, des fois, on se dit, mais... Ouais, qu'est-ce... bon, je comprends pas. Voilà, c'est. Ouais, ouais, ouais. On le saura peut-être plus tard, mais. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui aide dans ces moments-là, dans le fait de ne pas comprendre, c'est de se dire, rien ne nous arrive par hasard, rien ne nous arrive par la faute à pas de chance, rien ne nous arrive de façon injuste. Hein, puisque pourquoi? Puisque si Dieu existe, il doit être infiniment juste. Donc le fait de, même si on ne comprend pas, on comprend que ce qui nous arrive, si on ne comprend pas exactement pourquoi quelque chose nous arrive, on comprend que ça ne nous arrive pas par hasard et qu'on a certainement besoin de ça pour évoluer. Et donc ça aide, même quand on comprend, quand on ne se rappelle pas des détails des vies antérieures, et parfois il vaut mieux pas se les rappeler, c'est mon opinion à moi, c'est ça, de dire, je ne veux pas savoir les conneries que j'ai pu faire. Hein. Quand j'ai eu mon cancer là, de la prostate, je sais très bien le genre de conneries que j'ai pu faire. Donc voilà, j'ai eu ça, je n'ai pas compris, je n'ai pas trop compris pourquoi. Enfin, aujourd'hui, si, je comprends. Je sais le genre de défaut que ça m'a aidé à corriger. Hein? Donc voilà, et le fait d'avoir compris ça, moi, je n'ai pas besoin d'aller de rentrer plus dans les détails. Hein. Ça me suffit. Alors, on a Philippe aussi qui a la main levée. Alors, il faut remettre le micro, Philippe. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, il n'y a pas de mal. Voilà. Oui, bonjour. Donc, dans la programmation de notre réincarnation, je pense qu'il n'y a pas que notre choix, il y a aussi le karma passé, peut-être, non, qui intervient. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire le karma passé, mais quand on est à l'état d'esprit, on comprend ce karma passé. Par exemple, l'exemple du cancer de cette jeune femme qui s'est réincarnée, on peut l'appeler ça un karma. Hein. Elle sait que pour réparer son père esprit, il va falloir qu'elle passe par cette maladie à l'état d'incarnation. Donc, elle le sait, donc elle l'accepte. Elle accepte ce karma passé, entre guillemets. C'est pour ça que c'est entre le libre arbitre. C'est vrai que la liberté s'arrête. Elle ne peut pas aller contre les lois de la nature. Hein. Par exemple, on saute par la fenêtre. Je te jure le même exemple. Je suis désolé, il faudrait que j'en trouve un autre. On saute par la fenêtre parce qu'on veut, ou par la tour Eiffel, parce qu'on veut sauter. Mais après, une fois qu'on tombe, on n'a plus le choix de tomber ou de ne pas tomber. Les lois de la nature font qu'on tombe. Oui. Donc oui, le karma, quelque part, c'est ça, quoi. Hein? C'est la justice divine, on peut dire. C'est l'équilibre, voilà, dans la nature. C'est les lois de la nature. Donc la liberté ne peut pas aller contre les lois de la nature. Et si elle va contre les lois au-delà de la nature, il y a des conséquences. Les lois de la nature finissent toujours par reprendre dessus. C'est moi qui vous ai posé la question sur l'augmentation de la population avec la réincarnation, tu sais. Oui. Ben, j'ai répondu aussi. Hein, oui, donc, tout à fait. Merci pour votre réponse. Oui. Et c'est des facteurs, donc l'augmentation de la population terrestre, hein, qui, je ne sais plus, à l'époque de Kardec, je crois que c'était 1 million et quelques, à l'époque, 1 milliard, pardon.
À l'époque, en 60, quand je suis né, c'était à peu près 3 milliards. Hein. Aujourd'hui, on est à 8 milliards. L'augmentation de la population terrestre peut s'expliquer par deux facteurs. Hein. Le premier facteur, c'est les gens attendent moins longtemps avant de se réincarner. Les esprits attendent moins longtemps avant de se réincarner. Donc, si l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation diminue, forcément, même si on a le même nombre d'esprits autour de la Terre, la population incarné va augmenter. Hein. Il y a aussi la durée de vie qui peut jouer, mais bon, c'est pareil. Et le deuxième facteur qui peut jouer, c'est qu'il y a d'autres esprits qui viennent pour se réincarner d'ailleurs, d'autres planètes pour se réincarner sur la Terre. Donc ces deux facteurs expliquent pourquoi la population de la Terre augmente. Merci beaucoup pour la réponse. Et on pourrait poser peut-être. J'avais une question là qui m'échappe subitement au moment de la poser. comment ben, ça m'échappe, ça va me revenir. Je Pas suis grave, t'inquiète. désolé, hein, à la seconde même, la question m'est sortie de l'esprit. Alors, la main suivante, c'est Daniel. Oui, je voulais vous parler d'une autre série de livres. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je viens juste de les acheter, mais je les ai achetés justement pour suivre des parcours de réincarnation. C'est Yvonne Pereira, Ah qui oui. psychographie l'esprit Charles, et on peut voir, d'après ce que j'ai lu dans les résumés, qu'on va voir plusieurs vies et des vies où l'esprit peut être son conjoint. Et les acheter pour ça, pour poursuivre au fil des siècles l'évolution d'un esprit et de son guide, où ils peuvent interchanger leur place, où ils peuvent faire partie d'une famille. Voilà, c'était cet exemple-là que je voulais citer. Oui, c'est les Cavaliers de Numier, Drame en Bretagne, ce genre de cette série-là. Hein. Moi, j'avoue La que je ne les tourbe ai pas du lues encore. péché. Ouais. Ouais, ah, ouais. Effectivement. Et il y Celui en a sur un les sites. autre aussi qui m'est revenu à l'instant, c'est il s'appelle Et la vie continue Oui, de d'André Chico. Louis, qui, pareil, raconte aussi et le film, d'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait Oui. sur ce livre-là. Qui montre bien comment les personnages se réincarnent autour de l'histoire. Celui qui a été spolié, qui se réincarne en tant qu'enfant, donc qu'héritier, hein, pour récupérer les biens sur lesquels il a été spolié. Donc voilà, il y a plusieurs exemples dans la littérature qui nous illustrent ce processus. Alors Philippe, si vous vous rappelez, n'hésitez pas. Voilà, j'ai retrouvé ma question. Ah oui, ben alors allons-y. Voilà. Est-ce que l'on peut évaluer en moyenne une durée moyenne entre deux incarnations? Est-ce que c'est possible? Alors, moi, ça varie. Hein. Il y en a qui peuvent se réincarner tout de suite après, hein, au bout de 1 ou 2 ans. D'autres qui ne veulent pas se réincarner, et ça peut durer des millénaires. Mais en moyenne, je dirais, ben, c'était de l'ordre d'un siècle, quoi, à peu près la même durée d'une vie, quoi, hein. Et en ce moment, ben, on aura plutôt, comme on l'a dit avec l'augmentation, ça a plutôt tendance un peu à diminuer, hein, parce que les esprits comprennent plus vite, l'humanité évolue et donc cherche à se réincarner un peu plus vite pour avancer plus vite. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Et donc Michel qui nous dit que le film Et la vie continue est toujours accessible sur YouTube. Voilà. Alors, donc toujours pareil, qu'est-ce qui dirige l'esprit dans le choix des épreuves qu'il veut subir? Donc l'expiation, le faire avancer plus vite. Les uns peuvent donc s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage. C'est Emmanuel qui a choisi de se réincarner, le sénateur romain qui a choisi de se réincarner en esclave. Hein. D'autres vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance, bien plus dangereuses, par l'abus et le mauvais usage que l'on en peut faire, par les mauvaises passions qu'elles développent. Alors, exemple de ceux qui sont nés avec la fortune ou la puissance, je sais pas, on peut prendre l'esprit de Napoléon Ier, hein, qui était quand même quelqu'un d'assez génial, quoi, parce qu'il a, hein, c'est quand même lui qui, le code Napoléon, s'en sert toujours aujourd'hui.
la division administrative de la France en départements, etc. Tout ça, c'est Napoléon qui l'a fait. La réforme de l'orthographe, il nous a légué quand même plein de choses. Mais bon, les mauvaises passions qu'elle développe, ben, il rêvait de conquérir le monde et c'est comme ça qu'il s'est planté, quoi. Avec des centaines de milliers de soldats qui sont morts dans la Grande Armée. Hein. Voilà. Napoléon qui, selon certains, aurait déjà été la réincarnation de Jules César. Voilà. Donc ça, c'est un esprit qui, typiquement, hein, le pouvoir, chaque fois, il a dérapé, il en a fait un mauvais usage, quoi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais voilà. Il a peut-être aussi besoin encore de quelques incarnations comme Emmanuel en tant qu'esclave pour faire descendre un peu cet orgueil et cet ego. Et éviter de retomber dans les mêmes travers dans sa prochaine vie. Voilà. Et il termine en disant « D'autres, enfin, veulent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice. » Alors ça aussi, on peut se demander, mais comment ça se fait qu'il y a des esprits qui choisissent de se réincarner dans un bidonville au milieu de cartels de drogue ou des choses comme ça? Et ben voilà, c'est... Il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui s'en sortent. Hein, et des fois, j'ai vu un exemple il y a pas longtemps en Colombie, hein, un esprit qui s'est réincarné, ben, alors vraiment dans ce qu'il y a de pire, et qui pourtant réalise des œuvres fantastiques, quoi, y compris au bénéfice de la communauté dans laquelle il s'est réincarné. Voilà, donc ça, ce sont les choix que les différents exemples de choix que les esprits peuvent faire avant de se réincarner, avec toujours, comme il le dit, hein, le but principal, c'est d'évoluer, d'avancer plus vite. Pourquoi on se réincarne, hein, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, on se réincarne pour évoluer. Donc les épreuves qu'on va choisir, hein, le niveau de difficulté qu'on va y mettre, ce sera pour avancer plus ou moins vite. Mais on voit que c'est quand même une vaste supercherie quand même. Hein. C'est un jeu de rôle en fait. Hein. Et... on peut très bien ne plus s'identifier, en tout cas pour ma part, j'ai plus envie de m'identifier à des rôles qui me paraissent inutiles. Abandonner des identifications, parce que nous sommes très identifiés à notre corps, nous sommes très identifiés à nos pensées, nous sommes très identifiés à nos épreuves, et ben on se rend compte qu'en fait, c'est une vaste supercherie, quoi, quand même. Si tu peux voir ça comme ça, mais l'essentiel, c'est que ça te permette d'avancer, de devenir meilleur. Le but, c'est ça. Meilleur, c'est un point de vue. Qu'est-ce que c'est être meilleur? C'est aussi c'est très daté. Meilleur aujourd'hui, peut-être demain, ça sera moins bon. Parce que c'est des valeurs. Les valeurs évoluent. Et par exemple, pour une femme, rester à la maison et élever les gamins il y a 100 ans, c'était le rêve d'une femme, peut-être. Maintenant, si on parle comme ça à une femme, c'est pas dit que ce soit bien reçu. Hein. Alors, ce sont nos perceptions, hein, du meilleur qui évoluent, en fait, hein, c'est ça. Mais le bien et le mal, dans l'absolu, ils restent immuables. Hein, ce sont les fameuses lois morales ou les lois naturelles. Ben non, c'est notre perception et notre compréhension de ces lois qui évoluent. Hein. Oui, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, par exemple, je reprends le cas de cette femme qui élève des gamins, qui reste à la maison, qui élève ses gosses. À l'heure actuelle, on dirait, mais c'est une arriérée, quoi. Oui, eh ben, la vision spirituelle de la chose, elle est peut-être inversée. Hein. La femme qui s'est vraiment dédiée à l'éducation de ses enfants, à aider les esprits de ses enfants à évoluer, se retrouvera certainement dans une situation meilleure dans le monde spirituel que la femme qui, ou l'homme, hein, qui, par ambition, ont complètement négligé la famille et l'éducation des enfants. Tu vois, et ambition, quoi, terrestre, de carrière, de choses temporaires, qui, eux, se retrouveront peut-être dans une situation moins brillante à leur retour dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous, ici, en tant qu'incarnés, surtout avec tout ce qu'on subit aujourd'hui, hein, on a parfois des visions, distordues, et une distorsion dans notre vision de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Mais le bien et le mal, dans l'absolu, eux, ils sont immuables. C'est notre perception de ça, la manière dont nos sociétés conçoivent le bien. Par exemple, l'esclavage, c'était bien. Hein.
La science, à l'époque de Kardec, admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. C'était une notion scientifique. Aujourd'hui, c'est complètement rejeté, hein. Aujourd'hui, on dit ben, la liberté, c'est par exemple pour l'avortement ou l'euthanasie ou ce genre de choses. Ce sont nos visions au niveau de nos sociétés. Maintenant, est-ce que d'un point de vue absolu ou spirituel, est-ce que c'est aussi bon qu'on ne le pense? Ben, c'est là où il faut élargir un peu la vision avec ce paradigme spirituel et on se rend compte que ça pose des problèmes sérieux. Voilà. Et donc, petit à petit, on découvre le bien et le mal. Aujourd'hui, ça fait bien d'avoir un iPhone. Ben, demain, on en rigolera, quoi. On se dira, mais qu'est-ce que j'ai été bête, hein? Et c'est ça un peu le paradoxe aujourd'hui. Mais dans l'absolu, le bien et le mal, eux, ils ne bougent pas. C'est la manière dont on les comprend et dont on les perçoit qui bouge, qui évolue. Alors, il y a Antoine qui a la main levée. Oui, mais moi c'est pas tellement une question. Chut, les enfants, allez jouer pour votre balle. Mais j'aime bien de le dire tout haut, en fait, parce que pour ne pas déjà paraître hypocrite à vos yeux, mes amis de spiritualistes, mais aussi par rapport au monde des esprits, pour que les choses soient très claires entre eux et moi, j'ai très difficile d'accepter la notion de choix, de réincarnation dans des bidonvilles, comme on a cité tout à l'heure, ou dans un corps complètement meurtri par un handicap. Voilà, j'ai très difficile d'intégrer ces notions de choix dans des réincarnations, des vies de souffrance tellement indicible. C'est déjà très très difficile pour nous là actuellement dans un corps, dans un pays où il y a des droits, où assez riche le pays, hein, pas moi. Voilà, c'est déjà difficile comme ça. Alors choisir vraiment une vie dans un corps totalement handicapé ou dans un bidonville ou dans un pays où il y a la famine ou j'ai difficile de concevoir un choix comme ça. Maintenant, ça ne m'empêche pas de continuer mon étude personnelle. Je ne perds pas la foi. Je sais que je suis au bon endroit. Voilà. Mais j'aime bien de l'exprimer quand même, quoi, pour que les choses soient D'accord. très, très claires avec Non, mais c'est les. compréhensible. Je Oui. sais, tes guides spirituels, ils te connaissent mieux que toi. Ben oui. Pour eux, c'est clair, quoi. Oui. Et ben, bon, ils travaillent pour que justement, ben, pour t'aider à avancer. C'est toujours pareil, hein. Voilà. Alors, je peux citer un exemple. L'autre jour, il y avait un reportage à la télé qui était vraiment dur, hein. C'était, alors je ne sais plus, c'était le Darfour, enfin vraiment dans une région avec des famines, des sécheresses, enfin quelque part en Afrique. Et donc, le reportage montrait une gamine de 3-4 ans qui aidait son petit frère de 2 ans, qui était vraiment, mais alors, couché à se rouler dans la poussière. Il n'y avait plus que la peau et les os, voilà, enfin vraiment la situation de famine terrible de ce petit et qui n'avait pour support que sa grande sœur qui était à peine 2 ans de plus que lui, qui pouvait pas faire grand-chose pour lui, hein. Et donc suite à ce reportage, une personne sensibilisée, un peu comme toi, en disant mais comment est-ce qu'on peut choisir une épreuve aussi misérable, hein? Et donc, a posé la question dans la réunion médiumnique suivante, quoi. Et les esprits lui ont dit, eh ben, cet esprit-là, c'est un esprit qui était un tortionnaire dans un camp de concentration et qui a laissé des milliers de juifs mourir de faim. Voilà. Et donc, il a choisi d'avoir une vie abominable comme ça, donc absolument incompréhensible. Mais avec cet éclairage-là, ben, on comprend mieux. Tu vois, pourquoi il a pu choisir ce genre d'existence. Voilà. Et puis, alors, c'est pour lui donc une expiation, c'est pour nous ben, pour éveiller notre conscience en disant, mais stop, il faut que ça s'arrête. Hein, le petit garçon là, des migrants qui est mort échoué sur une plage à l'île de Grecque de Samos ou je ne sais où,
c'est pareil, on dit stop, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser, on peut pas laisser, hein. Donc, il faut que le scandale arrive des fois, et puis ben, c'est là où on voit que l'expiation, la prise de conscience de l'humanité, etc., comme tout est solidaire, comme tout se rattache entre soi, entre soi. Ces choses existent, hein, quand on va dans la... Ben, quand vous regardez un autre film qui s'appelle Le film des esprits, qui montre la fondation, l'hôpital André-Louise à Guarulhos, à São Paulo, où là, vraiment, c'est des handicapés graves, hein, avec des difformités au niveau du corps, enfin, voilà, handicapés profonds. On se demande aussi comment ça se fait que des esprits ont choisi ce genre de vie. Mais, le film des esprits, donc. Hein, le film des esprits, oui. Okay. Et là, ben, on comprend. On comprend. Voilà, il y a ce genre de choses qui existent. Là, au moins, ils sont recueillis dans un hôpital. Enfin, bon, bref, ils bénéficient. De toute l'assistance et de tous les soins possibles. Mais bon, c'est une réalité, ça existe, et donc si ça existe, il faut forcément qu'on retrouve la cohérence avec la justice divine, d'accord, la justice divine, la justice des lois naturelles qui doit être parfaite, complète, quoi. Et donc rien de ce qui arrive n'est injuste, il y a toujours forcément une explication, même si on ne la comprend pas tout de suite. Rien n'arrive par la faute à pas de chance ou par le hasard. Voilà, ce serait nier la justice divine. Et là, on arrive dans un paradoxe. Comme la justice divine, si Dieu existe, il est infiniment juste, et ben ces choses qui nous paraissent injustes, elles doivent forcément avoir une explication. Et en fait, ce sont des étapes qui permettent aux esprits d'avancer, des esprits dans des situations difficiles. Alors, il y a Daniel qui a levé la main aussi. Oui. Oui. Tu parlais à l'instant du bien et du mal. Il y a une question qui m'est venue. Le processus de réincarnation est sous l'égide uniquement de la spiritualité supérieure, ou est-ce que les forces qui travaillent pendant un temps dans l'ombre peuvent gérer aussi des réincarnations des membres de leurs équipes? Est-ce qu'on a des écrits là-dessus ou des infos? Oui, apparemment, oui, comment dire, les esprits des ténèbres arrivent aussi à réincarner certains de leurs membres. Hein. Donc, mais bon, comment dire, ils n'arriveront pas à aller contre les lois de la nature, ça c'est clair. Ils finiront par aller vers le bien un jour ou l'autre, en fait. C'est ça, c'est ça. On leur laisse peut-être se... Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, le libre arbitre d'agir là en réincarnant les leurs, mais un jour ou l'autre, ils rejoindront le processus voilà. Général de RER, par exemple. Celui qui est réincarné avec une mission de faire du mal, ben, peut très bien changer et puis finir par faire le bien. Tout bon, comme on voit des Paul, esprits endurcis. On voit des beaux exemples. Ouais. Voilà, on reçoit souvent des esprits endurcis comme ça dans les réunions médiumniques, et ben, on arrive à les faire changer. Hein. On arrive à des esprits qui ont gardé des rancœurs, qui se sont fait trucider pendant l'Inquisition et tout, finissent par changer. Personne n'est condamné à rester indéfiniment, comment dire, dans cette situation du mal. Mais effectivement, ils peuvent aussi, enfin, les esprits qui font du mal, s'ils font du mal, c'est qu'ils peuvent le faire. Hein, voilà. Mais par contre, si la personne qui subit le mal, c'est pas par injustice ou la faute à pas de chance, c'est parce que pour lui aussi, quelque part, c'est une expiation ou un moyen d'avancer. Tout est lié, Merci. Quoi. Il faut qu'on garde cette... Alors, Claudia et Christine, et Christophe, pardon. J'aimerais venir... désolée, je vais essayer de m'exprimer en français. J'aimerais venir par rapport à ce qu'a dit Vincent et Antoine, en fait. Ce sont des questions que moi-même j'ai vécues. Des fois, j'y reviens, ça me fait du bien aussi. Mais en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre jusqu'à maintenant, et encore la vision, ça évolue, bien évidemment, c'est qu'en fait, si on s'identifie au corps, on subit. Si on s'identifie à notre esprit et à notre conscience, de que nous sommes beaucoup plus qu'un corps, on ne subit pas. C'est ce que j'ai compris, parce qu'à un moment donné, on m'a appris là-dessous que c'est possible à l'âme, en étant incarné,
d'apprendre à regarder tout ce que nous vivons avec un regard plus élevé au point qu'on ne sent pas la douleur dans le corps. Et quand on dit dans le corps, même en tant qu'incarné, dans le corps psychique, émotionnel, tout le corps de notre aura. Donc, là-dessous, quand on voit bien ça, j'ai eu des exemples de personnes qui m'ont expliqué qu'elles-mêmes ont réussi à vivre ces expériences et ne pas subir ces souffrances. On peut parler des exemples comme le cas de certains saints qui se sont incarnés et ils n'ont pas subi les souffrances. Ils les ont vécues, point. Accepté. Ils les ont acceptées dans un esprit, dans une façon de regard, donc un regard élevé, ce qui fait qu'ils n'ont pas senti dans le corps ce que nous, attachés au corps, nous subissons. Donc, mais pour cela, il faut élever notre pensée, notre conscience. Et si on enlève notre conscience, pour répondre aussi avançant par rapport à ce que j'ai pour comprendre aujourd'hui humblement, c'est que justement humblement, j'ai compris que les jeux qui ont vie, en fait, bah, c'est notre âme qui a décidé de vivre ce jeu. Mais dans ce jeu, on apprend à être justement humble et à regarder qu'il y a une raison supérieure qui, au jour d'aujourd'hui, peut-être, ça nous dépasse, mais qu'un jour, qu'on en sera suffisamment élevé spirituellement et pas que, on pourra peut-être avoir accès. Donc moi, j'ai accepté ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses, bon, il y en a qui ont vécu beaucoup pire que moi, donc je remercie de ne pas avoir subi certaines choses, parce que je les ai subies à un moment donné, aujourd'hui je les vis. Mais je les ai subies et j'ai rentré dans la haine, dans l'hypocrisie, dans l'ironie. J'ai perdu ma foi parce que je me posais des questions. Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi, si c'est un jeu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On se moque de nous? Et à un moment donné, bah, la vie s'est chargée de me comprendre que ce qui me manquait à moi, c'était humilité. Et comprendre qu'un jour, quand j'aurai peut-être plus d'évolution, j'aurai le mérite de pouvoir comprendre mieux pourquoi tout ça se passe. Donc je pense qu'un jour, on aura tous des réponses, chacun à son temps. C'est ce que je ressens. Voilà, j'aimerais vous laisser ça, comme mon ressenti. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Je vous en prie. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. C'est... Est-ce que... Il n'y a rien d'injuste. Hein, que... Le hasard... Parce que c'est un peu facile quand même quand on est en vie de dire « Ah ben voilà, c'est la faute à mon corps, c'est la faute à mes gènes, c'est la faute à… » À chaque fois, mettre la culpabilité ailleurs. Non, si on subit quelque chose, on y est pour quelque chose. On ne le subit pas de façon injuste. Et même si on subit quelque chose, c'est souvent pour… C'est dans les difficultés qu'il faut qu'on cherche des solutions, qu'on se repose des questions, qu'on se remet en question, qu'on change. La douleur, hein, comme le disait Léon Denis, c'est l'aiguillon, et Kardec aussi le disait, l'aiguillon qui nous pousse à évoluer. Hein. Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions, on ne fait pas d'efforts, etc. Mais quand on a des difficultés, là, c'est un challenge. Donc, on fait des efforts et en faisant des efforts, on arrive plus vite. On peut aussi, effectivement, avoir la réaction contraire, négative, qui est de se révolter, de se placer, voilà, moi, je suis victime de la providence, c'est l'injustice, je souffre parce qu'on m'a obligé à revenir sur cette terre où il y a des gens qui... où il y a toutes ces injustices, voilà, mais je ne mérite pas ça. Bon, Là, par contre, c'est un état d'esprit qui est inverse, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de vous aider à accepter par l'humilité, comme tu viens de le dire, Claudia, hein, oui. Et à surmonter, en fait, ces difficultés, on tombe dans la révolte qui représente plutôt un cercle vicieux qui va nous rendre les choses encore plus compliquées. Oui, justement, je reviens, c'est qu'en fait, si on veut vraiment sortir et y avancer, peut-être qu'au bout d'un moment... Bon, on peut choisir la manière de le faire. Hein. On peut tomber juste dans une démarche psychologique, bon, dans la psychologie, comme j'ai fait à un moment donné. Et je suis tombée dans le triangle karma. Et là, à un moment donné, j'ai décidé de sortir justement de ce que vous venez de dire, de victime. Et si je sors de la victimisation,
je peux choisir de travailler sur moi-même. Et comme vous avez dit, surtout, je me suis concentrée à sortir justement de subir. Parce que si on subit, c'est qu'on est dans la victimisation, justement. Mais si on décide de vivre l'expérience, on sort de la victimisation, on devient responsable et on s'arrête de jouer le rôle qu'on vient vivre dans les incarnations, que c'est victime, bourreau, bourreau, victime, et on s'arrête jamais. Donc, dans la psychologie, là, on rentre dans un domaine de sortir de jeu parce qu'on n'est plus ni la victime, ni plus le responsable. Mais si on vient dans la spiritualité, on peut aussi décider de sortir du corps pour ne plus sentir la douleur et passer à une façon plus élevée de se regarder par rapport à cette humilité qui nous amène vers le haut et se connecter avec notre soi supérieur. Donc ça, c'est deux façons d'y arriver. C'est merci. Ça. Donc ça nous donne la force, le coping, hein, comme le mot, je crois qu'il existe aussi en français, pour faire face aux difficultés. Hein. C'est pareil, c'est le cancer, il y en a qui, oh là là, ça y est, c'est fini, terminé, etc. Bon, ben, et l'autre qui dit, ah bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour surmonter? Ben, le deuxième, il a 10 fois plus de chances de s'en sortir que le premier. Hein. C'est toujours pareil, hein. si on prend les choses à bras-le-corps, on a 100 fois plus de chances de les surmonter que si on baisse les bras et on s'avoue, entre guillemets, vaincu. Hein. C'est des attitudes bien connues. C'est comme ça que se fait, en fait, l'évolution. Et donc, ce que dit la philosophie spirit, elle dit que ces choses-là, en fait, sont choisies par nous-mêmes. C'est souvent, la plupart des cas, notre libre arbitre qui nous fait faire ces choix et pour de très, très bonnes raisons. Voilà. Alors, la question suivante, qui est la deuxième partie de ce cours, c'est de cette leçon, c'est à quel moment l'âme s'unit-elle au corps ? Hein, Kardec a posé cette question. C'est intéressant parce que la question dans la première version du Livre des Esprits, la réponse, elle n'est pas tout à fait la même que dans la deuxième. Et donc, dans la version actuelle et définitive, les esprits disent « L'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. » Donc, le lien commence dès la conception. Il s'est préparé avant la conception, comme on vient de voir. Hein. Et dès la conception, l'esprit est lié à l'ovule fécondé, en fait, c'est ça. Il va faire que le bon ovule se libère des ovaires et puis le bon spermatozoïde arrive en premier pour avoir, pour être garçon ou fille, avoir le patrimoine génétique souhaité par l'esprit. Et ensuite, c'est l'esprit qui vient se lier hein, à cette cellule qui, dans l'embryogenèse, la multiplication des cellules, va faire que ben, l'embryogenèse se fait en 3 dimensions avec les différents organes qui se forment, avec les caractéristiques de l'esprit qui s'y réincarne. D'accord ? Donc, l'embryogenèse, elle est expliquée par l'esprit qui est déjà lié. D'accord ? Et il dit que l'union, elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Ça veut dire qu'à la naissance, là, paf, il rentre en mode autonome, en quelque sorte. Hein. Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire qu'à partir du moment où l'union commence dès la conception, il y a un problème avec la question de l'avortement. Quoi. Est-ce que l'avortement... les parents sont libres de disposer, de choisir d'avoir un enfant ou pas, est-ce que l'embryon, c'est une partie du corps de la femme? Là, la réponse, c'est clairement non. Hein, il y a un autre esprit qui est déjà lié dans cet embryon, et l'avortement consiste, ben, cet esprit qui est déjà là, à le faire partir. Quoi. Donc, ça pose une question éthique sérieuse sur la question de l'avortement. Oui, donc là, on peut comprendre que par la vision spirit, l'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux faire la contraception, c'est-à-dire travailler à ce qu'il n'y ait pas de conception. Donc là, l'esprit sait qu'il y a la contraception, tout est clair, défini à l'avance, etc. Mais une fois que la conception est faite, une fois que le lien est établi, il vaut mieux ne plus l'interrompre. Voilà. Et le point suivant, donc, c'est dans la Genèse, item 18. Lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation,
un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son père-esprit, du père-esprit de l'esprit qui se réincarne, hein, le rattache au germe vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre. Sous l'influence du principe vital matériel du germe, le père-esprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit molécule à molécule. Donc, ouais, ils disent molécule à molécule. Il ne dit pas cellule à cellule, hein, parce que chaque cellule est constituée de molécules, hein, d'ADN entre autres, de protéines, etc. Hein. Avec le corps qui se forme, d'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son père esprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète et alors il naît à la vie extérieure. Donc Kardec nous raconte ici, avec les visions d'il y a 160 ans, comment se fait ce processus d'incarnation d'un esprit dès la conception, donc dans l'ovule fécondé. Voilà. Et donc dans l'embryon. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe pour l'esprit à ce moment-là? Est-ce que l'esprit qui est en train de se réincarner, il est complètement libre? Ben, c'est la question 351. Qui nous dit, dès l'instant de la conception, le trouble commence à saisir l'esprit, averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ce trouble va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. Donc ça veut dire que l'esprit qui est en train de se réincarner, il est dans le trouble, il est comme dans une espèce de sommeil, hein, qu'il nous dit, parce que bah, ce processus, c'est lui qui est moteur, mais il se fait, je dirais, de façon naturelle, hein, une fois que tout est décidé et que c'est mis en place. Voilà. Et donc, ça peut expliquer aussi pourquoi, bah, par exemple, un esprit qui est en train de se réincarner ne pourra pas forcément se communiquer dans une réunion médiumnique. Certains le peuvent, mais beaucoup ne peuvent pas se communiquer, justement à cause de cette situation de trouble. Donc voilà pour les questions, les points essentiels. Donc c'était très dynamique aujourd'hui, c'est normal, hein, parce que c'est des questions assez fondamentales qu'on voit là en ce moment. Il est déjà 9h11, hein, donc on ne va pas rentrer dans le détail du support. Je vous encourage à le lire, hein, vous l'avez tous. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me redemander, je le remettrai. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur le groupe Skype. On a aussi décidé au niveau de l'UMSF, du LMSF, de le réimprimer. Hein, donc, on va l'imprimer si, pour ceux qui préfèrent avoir une version papier. Et donc, dans le support, vous trouverez ben, toutes les références détaillées. Vous trouverez davantage d'informations. Donc, vous voyez, livre des esprits. Et un livre, vous voyez, donc, et la vie continue, on en a parlé, hein. Mémoire d'un suicidé, ben c'est Daniel qui nous en a, enfin, qui a parlé des livres d'Yvonne Pereira, hein, qui sont cités là. Nos Solars, on en a un peu parlé aussi, hein, c'est des livres dans lesquels on trouve des exemples. Et surtout, Missionnaire de la Lumière, c'est le livre de Chico Xavier avec une couverture jaune, hein, donc Jean-Pierre Pipineau, il en a encore quelques-uns. Celui-là, il donne vraiment beaucoup, il donne vraiment des exemples concrets de choix faits par les esprits, comment on s'est préparé, voilà, un peu comme ce que je vous ai parlé au sujet du livre Exit. Vous aurez plusieurs exemples qui seront donnés dans ce livre Missionnaire de la Lumière. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on est de nouveau dans Kardec, la Genèse, évidemment, qu'il a bien. Voilà, et donc Entre la Terre et le Ciel, donc c'est l'autre livre d'André Louise où il parle de ce sujet. Voilà. Claudia et Christophe? Oui, Charles, ben justement, j'ai lu ce chapitre de la Genèse 11. C'est très, très bien expliqué, le phénomène d'incarnation et de réincarnation. Donc, vraiment, j'ai beaucoup appris. Et finalement, quand on y réfléchit bien, effectivement, la plus grosse partie de notre vie spirituelle, elle est en tant que désincarné. On vient tout simplement vivre une expérience ici sur Terre pour évoluer, pour réparer, pour apprendre, mais nullement pour expier.
Et que si on réfléchit bien, en plus, la nuit, quand on dort, on retourne dans notre patrie spirituelle, on va voir nos guides, on peut recalibrer un petit peu le tir. Effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, on peut aussi se dire, voilà, ça j'ai fini, ça j'ai bien compris, donc on peut passer à autre chose. Et finalement, le peu de temps où tu es finalement vraiment incarné, c'est le temps où tu n'es pas endormi. C'est-à-dire, on va dire, allez, grosso modo, 12 heures à 14 heures par jour. Voilà, c'est juste ce qu'on te demande de subir. Donc, sachant que la nuit, tu retournes là-haut. Donc, finalement, quand on le prend comme ça, finalement, c'est moins dur de se réincarner, ouais, d'avoir des épreuves, parce qu'on travaille la nuit aussi. On peut se ressourcer la nuit, effectivement, et heureusement. Hein. Ouais. Mais cela dit, l'incarnation est quand même nécessaire pour évoluer. Hein. On peut évoluer sans se réincarner, mais on évolue plus vite, justement, en passant par l'épreuve de feu, comme on dit. Hein. C'est le test réel, c'est là où on voit vraiment si on résiste ou on ne résiste pas aux tentations, si on a vraiment compris ou pas, quoi. Et de toute façon, je crois qu'ils le disent dans le livre des esprits, c'est que Dieu ne nous donne jamais des épreuves qu'on n'est pas capable de pouvoir réussir. Alors ça, oui, les épreuves sont toujours, on est toujours capable de réussir, mais des fois, on ne réussit pas quand même. Ça dépend du libre arbitre de chacun de réussir ou pas. Oui, bien sûr, on peut baisser les bras, mais dans ce cas-là, on recommence. C'est ça, et un jour, on réussira. Voilà. Voilà, donc ouais, franchement, là, je vous conseille vraiment ce passage, là, le chapitre 11, là, à partir de l'item 17 dans la Genèse, il est vraiment fabuleux. Mais en fait, la Genèse, selon le spiritisme, c'est plutôt une analyse de Kardec, ce n'est pas un livre qui est psychographié, les esprits n'ont pas trop participé à ce livre. Ça dépend. Selon les chapitres, c'est effectivement lui qui a rédigé beaucoup de textes, mais tu verras. Bon, par exemple sur l'uranographie, c'est l'esprit de Galilée. Il cite beaucoup de communication des esprits et ce qu'il dit, ça, il se base sur les informations, les communications qu'il avait reçues des esprits. Hein. Mais c'est vrai que c'est essentiellement lui qui l'a rédigé. Ouais, d'accord. Merci, Charles. Ah, il y a une petite histoire à la fin, hein, donc l'étude de cas simplifiée, l'histoire de Stella. Donc, vous voyez, ça vient pas ça vient du spiritualisme, c'est une histoire qui vient de Edgar Cayce. Hein. Et donc, c'est encore un exemple donc qui explique les raisons d'une réincarnation précise. Voilà, on va pas le lire puisqu'on n'a plus le temps, mais je vous conseille pareil de le regarder. Et voilà, je pense que l'essentiel, c'est toujours de se dire Dieu est infiniment juste, donc ce qui nous arrive à l'état incarné, il peut pas y avoir de choses. Si on souffre une injustice, en fait, pour nous, c'est juste. Hein. Et moi, je dis souvent, il vaut mieux être du côté de ceux qui souffrent une injustice que de ceux qui la commettent. Hein. C'est beaucoup plus pratique, entre guillemets, pour nous. Ça montre que voilà, si on commet une injustice, on a encore pas mal de chemin à faire pour évoluer. Et si on souffre une injustice et même qu'on se résigne, hein, voilà, même si on fait tout ce qu'il faut, évidemment, pour pas en subir trop de conséquences, eh ben, ça prouve qu'on a quand même déjà un peu avancé. Voilà. Voilà, ben, écoutez, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre participation très active. Je vous remercie aussi pour les questions et qui sont vraiment des questions fondamentales que tout le monde se pose et que voilà qu'il faut qu'on travaille pour essayer de les comprendre au mieux. On remercie aussi les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous inspirer et puis aussi cette occasion d'avoir pu acquérir ces notions qui justement nous permettent de comprendre le but de la réincarnation et d'en profiter un maximum pour notre avancement. Voilà, ben je merci à tous, je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt. Merci à toi Charles, merci à tout le monde. Un très bon dimanche. Merci à vous.